8h31 et je me réveille. Qui pouvait penser que moi, Tracy, j'arriverais un jour à me réveiller aussitôt? Alors ce que je fais dès que je me lève, c'est ouvrir les rideaux. Parce que souvent, quand je reste un petit peu dans l'ombre, ça donne pas trop envie de se lever alors que la lumière du jour me réveille calmement. Après ça, j'enchaîne directement avec ma skincare routine. Et là, comme on était vendredi, j'ai décidé de faire un masque, un petit gommage et j'ai décidé de prendre soin de moi. Pendant que mon masque était en train de poser, j'ai décidé de me faire un petit café. Alors j'ai ramené cette crème de café au caramel de Houston, elle est juste incroyable et j'appréhende vraiment le moment où il n'y en aura plus. Après ça, donc je suis venue rincer mon masque, surtout ne pas attendre qu'il soit complètement sec pour ne pas assécher votre peau. Pour ma skincare, j'ai pas forcément de produits à vous conseiller. Moi, je sais juste que j'ai une peau mixte et que j'ai envie d'enlever les taches d'acné. Donc, je vais utiliser des acides de fruits, de la vitamine C et je vais bien, bien hydrater ma peau. Ensuite, je prends vraiment le temps de préparer mes menus de la semaine. Et en fait, j'organise tout simplement toute la semaine. Donc, j'organise mes séances de sport parce que oui, j'ai repris le sport. Je prends vraiment des idées sur Google de repas, comme ça, ça m'évite de faire des courses inutiles. En fait, voilà, j'essaye vraiment de tout organiser, de tout noter, comme ça, ça permet d'y voir plus clair. Ensuite, j'avais un événement ce week-end, donc j'ai décidé de prendre soin de mon corps. J'ai commencé par l'épilation avec ce chauve-cire que j'ai acheté chez Normal pour 11 €. Les recharges, vous les avez à Bleu Libellule pour 1 € et quelques ou 2 €, donc c'est pas très cher. Et je vous jure que depuis que j'épile mes jambes, ça m'a changé la vie. Fini les rasoirs. On n'oublie pas de mettre une huile après rasage, ça va permettre d'enlever l'excédent de cire, mais également de bien 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 hydrater vos jambes. Et après en plus, elles sont toutes brillantes. Alors là, c'est vraiment ma partie préférée. Faut d'ailleurs que j'investisse dans une vraie bassine pour les bains de pied. Mais là, je vais faire un bain de pied maison où je mets du lait, de l'huile d'olive et de l'huile essentielle de citron. J'ai regardé la recette sur Google, apparemment c'est super bon pour les pieds et ça évite toute bactérie. Et là, je me détends devant ma série et j'ai laissé poser une quinzaine de minutes avant de venir râper toutes les peaux mortes. Et là, les filles, très important, je vous jure que l'hygiène des pieds, c'est hyper important. Donc là, je suis venue bien poncer également les ongles. J'ai posé mon vernis et regardez le résultat. Mon petit déjeuner, je le mange vraiment en deux temps parce qu'au réveil, j'ai pas très très faim. Donc là, j'en ai profité pour manger un peu avant de passer aux ongles, donc des mains. Je ne suis pas professionnelle, donc je fais vraiment comme je peux. Mais regardez le résultat. Et comme je vous ai dit, j'avais une journée super chargée parce que je préparais cet événement. Donc là, j'ai décidé de me faire un petit sandwich au thon, le truc hyper facile à faire et à emporter pour pouvoir le manger dehors parce que j'avais vraiment, vraiment pas le temps de me faire un bon repas et de manger sur place. Et c'est parti. Donc là, je vous ai montré une petite partie de la déco que j'avais commencé à faire pour le coin photo. Et après ça, j'ai enchaîné avec des courses. Donc je suis allée près de chez moi dans un centre commercial pour faire quelques petits achats.
Là, j'étais tout simplement en train de vous parler d'une pépite que j'ai trouvée chez Action. J'en ai entendu parler sur TikTok parce que oui, je suis un petit mouton. Et c'est tout simplement un AirTag que vous trouvez à 8€ et le truc fonctionne à 100% comme un AirTag. C'est juste qu'il est moins cher. Vous avez juste une petite languette à tirer avant et après je vous montre comment ça s'utilise. Alors déjà, j'ai compris qu'il fallait se rendre sur l'application localisée, donc dans objets. Donc là, vous allez retrouver tous mes objets. Ajouter ici, donc ajouter un objet. On va placer l'appareil à côté. Et c'est censé le trouver. Oh oui! Donc là, connecter. Taper le nom, je vais mettre Trey Tag. Choisissez un emoji, j'en sais rien moi, qu'est-ce que je peux mettre? Allez, le drapeau du Cameroun. Et là, du coup, cet objet associé à votre identifiant Apple. Terminé. Et donc là, voilà, vous voyez que le AirTag, il est avec moi. Je vais essayer de faire donc émettre un son. Normalement, vous entendez parce que j'ai activé le micro de mon iPhone en même temps que je fais la capture d'écran. C'est génial. Là, on passe au goûter. Donc, comme je vous ai dit, je vais à la salle. Donc, j'essaye vraiment de prendre des collations. Comme j'ai plus de fruits congelés, l'astuce que je fais, c'est que je prends de la glace aux fruits rouges ou bien framboises et je la rajoute avec de la banane, du beurre de cacahuète, un peu de whey et du lait d'avoine. Là, je suis en train de me créer une petite ambiance. Alors, j'allume mon petit LED et mon vidéoprojecteur pour regarder ma série. Actuellement, je regarde Vampire Diaries parce que j'avais jamais regardé et je voulais comprendre la fame autour de cette série. Et pour ce soir, ce sera des pâtes au pesto, très rapide à faire, simple et super bon. C'est la fin de la journée pour moi, il va bientôt être 21h et je suis déjà fatiguée. Donc je me fais soit un thé ou une tisane en regardant la fin de mon épisode et ensuite je vais dormir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, liker et partager la vidéo. Bisous !